Eh bien, salut à tous et à toutes les amis, c'est Captain Spidey, comment allez-vous? En tout cas, bien moi, écoutez, ça va super bien. On se retrouve pour le deuxième épisode du Let's Play de Till Dawn. J'espère que le premier épisode vous aura plu. Écoutez, nous allons continuer nos affaires. Ça faisait longtemps. Et ouais. Notre entrée dans le chalet. Ça va, mec ? Voyons voir. Des gens, tu sais, tu crois que tu les connais. Ok. Oula. Il est déjà pas très content, le garçon. Alors, t'as vu Ashley ? Ouais. Cool. Et comment elle va ? Elle va bien. Pourquoi ? Non, comme ça. Elle sait. Ok, bon bah là tout va bien. Et il faut qu'on passe par le côté. Toujours aussi joli en tout cas. Ashley était carrément canon aujourd'hui, hein. Lui aussi il sait. C'est une fille qui doit vraiment valoir le coup, tu penses pas ? J'aimerais vraiment lui arracher sa parka et me rouler dans la neige avec elle, tu vois. Hé, hey, du calme, mec. Eh bah, si tu te la fais pas, peut-être que Mike va s'en occuper. Bon, tu veux bien relax. Arrêter. Relax. Je vérifiais seulement si tout marchait correctement, là en bas. Ouais. Écoute, mec, regarde autour de toi. Regarde ces belles montagnes. Est-ce que tu vois des parents ? Tu peux imaginer un scénario plus parfait, dégoulinant de possibilités érotiques. Toi et Ashley, enfin seul. T'as fait le plus gros du travail, t'as été le parfait gentleman. Maintenant, il est temps de passer à l'attaque. Alors, t'es un chasseur, mec, sans peur, sans pitié. Elle va même pas comprendre ce qui lui arrive. D'accord, j'ai compris. C'est bon. Vous m'avez confirmé dans le premier épisode. Alors, comment on fait pour rentrer dans le chalet de mes que du coup il y a des trucs qu'on changeait. Donc, qui a dit que j'avais un plan ? Restons sur nos gardes à tout moment. J'ai l'impression. Tu ferais mieux d'en trouver un, mon gars. Sinon, t'as quatre jolies filles qui vont se geler les fesses. Et aux dernières nouvelles, c'est pas le mieux si tu veux coucher. Toucher ? Personne n'aime les petits que gelés. C'est vrai. Alors, qu'avons-nous là ? Râtelier. Indice trouvé. Ok. Merde, j'ai presque plus de batterie. Eh bah dis donc, on a affaire à un intello. Bien joué. Mieux écouter pendant les cours d'escalade. Quoi, en sport ? Tu sais où il faut grimper à la corde. Wow. J'ai fait ça, moi ? Non, je pense pas. Tiens, utilise ça. Un briquet. Hé, hey Chris, je viens d'avoir une super idée. Hein ? Ouais. Et c'est quoi ? Ok, alors... Je suis presque sûr d'avoir un déodorant dans une des salles de bain. Tu pourrais l'utiliser avec le briquet. Je comprends pas. Comment un déodorant pourrait aider ? C'est un vaporisateur. Ah, ouais, j'ai compris. Un lance-flamme. Comme on fait avec les petits soldats. Ouais, ceux qu'on a fait fondre. Dirige le déodorant vers le briquet et... Adieu, serrure gelée. Super. Alors tu fais ça. Je vais essayer d'arranger quelque chose. Est-ce que t'es prêt à fouiller un peu dans le noir ? Non.
Non, mais j'y vais. Et bon courage, mon vieux. Bon. Va-t-il se passer des trucs ici ou pas? J'aime pas trop beaucoup ça. Un petit totem. Avec une prémonition, je crois. Ça c'est pas cool. Pas cool du tout. C'est fermé. Oh, cool. Portrait de famille. Quoi ce truc? Ouais. Oh, salut Chris, très marrant. Et comment tu m'as reconnu? Est-ce que tu devais pas essayer d'ouvrir la serrure? J'y vais. C'est la voix de notre cher... Dorothée, si je ne m'abuse. Moi, faut que j'arrive à trouver la salle de bain. Je crois que la salle de bain est en haut. Il y a forcément une fenêtre qui claque comme dans tout bon jeu d'horreur, n'est-ce pas? Et là, elle va se fermer. Voilà. C'était prévisible. On apprécie le geste néanmoins. C'est pas par là. Donc ça doit être en face. Bien joué. On est en train de geler sur place. Très bien joué. Merci. Je serai là chaque semaine. Merde, ce truc m'a fait flipper. C'était quoi?
Est-ce que ça va? C'était un ours ou un tigre, je sais pas. Oh, c'était juste un mignon petit bébé glouton. Un bébé? T'inquiète pas, petit. Un de ces jours, tu seras grand. Home sweet home. J'aurais pas vraiment dit ça, comme ça. Oh la vache, ça fait vraiment du bien d'être là. Même si on se les gèle un peu ici. Bon, bah je vais allumer un feu. Cet endroit n'a pas du tout changé. Bah personne n'est revenu. Même avec tous les agents de police? Ça a été calme ici dernièrement. Non. Vous êtes prêts à faire la fête? Salut! Salut! Ouais, vas-y, fais comme chez toi, mon pote. D'accord. Ouais, vas-y, entre. Viens te relaxer, prends ce que tu veux. Tu prends déjà tout ce que tu veux de toute façon, hein? Waouh! Doucement, cow-boy. Allez. Qu'est-ce que tu faisais avec M sur le chemin? Quoi? Je vous ai vu. Avec le télescope. Eh ben, on s'est croisés. Ça faisait longtemps qu'on s'était pas vus, alors je l'ai prise dans mes bras. C'est interdit? Ouais, c'est ça. C'est ça, et y a rien eu d'autre. Tu sais quoi? Tu peux penser ce que tu veux. C'est un pays libre. Fais attention, Mike. Oh putain, c'est trop dégueu. Attends, est-ce que t'essayes d'avaler sa langue, là? M. Non, sérieux, elle en fait pas un tout petit peu trop? Personne ne veut marcher sur tes plates-bandes, chérie. Pardon? T'as dit quelque chose? Oh, bien sûr. T'étais trop occupée à faire ta connasse. Tu vois, on dirait que tu es aigrie de ne pas avoir réussi. C'est ça. Et toi, t'as réussi à faire partie de son troupeau? Bravo, jolie vache. C'est pas très malin de comparer la reine du bal à une vache. Vas-y, bim. Tu mets vraiment tout le monde mal à l'aise, là, Jess. Quoi? T'es jaloux? Emily est trop frigide pour toi, c'est ça? Hey, tu... t'exagères, écoute. Peu importe. Je me fous de ce que tu penses. Au moins, j'ai un cerveau. 20 sur 20, bouffonne. Mange-toi ça. Tu t'en foutras moins quand tu galéreras pour trouver un boulot. À quoi peuvent bien servir les notes quand on a tous les atouts que Dame Nature peut donner? Oh, chef. Tu n'achèterais même pas un pauvre morceau de pain rassis avec ses fesses. Mais t'es sérieuse? T'appelles ça une insulte? Cette garce prend du crack ou quoi? Allez, bim! Jessica, ferme-la un peu. Tu veux? Non! C'est plutôt toi qui devrais arrêter de fourrer ton sale nez dans les affaires des autres! Non, attends, c'est moi qui vais m'en occuper de tes affaires, tu vas voir. Ah! Tu veux qu'on se mette sur la gueule? Parce que là, je suis prête! Arrêtez! C'est pas pour ça qu'on est venu ici, ça va rien. Baston! C'est pas ça que je voulais. Si on n'arrive pas à s'entendre 10 minutes, on a peut-être besoin d'une petite pause, non? Mike, pourquoi est-ce que tu irais pas voir la cabane dont on a parlé? Ouais. Ouais, d'accord. Tu veux y aller? Tant qu'elle, elle n'y est pas. C'est au bout du chemin. Content que ce soit fini. Ouais. Alors, Josh, tu nous l'allumes, ce feu? Il est où, mon sac? Hein? Mon sac, le petit sac avec le dessin rose, celui que j'ai acheté sur Odéo. Matt, tu m'écoutes? Mais si, tu t'en souviens pas? À côté du magasin de chaussures italiennes où j'ai acheté mes stilettos et où tu t'es cogné contre l'étagère quand tu matais la fille au comptoir. Eh bien, elle me posait des questions sur ma veste en cuir. Ouais, c'est ça. Elle était à fond sur ta veste de designer en cuir de vachette. Pourquoi tu détestes ma veste? Matt, je veux mon sac. Oh merde, M, peut-être que tu l'as oublié. Attends, tu crois vraiment que je peux oublier mon sac? Oui. Bah... Alors? Non, pas du tout. Putain, t'as dû le laisser à la station du télé. Allez, viens. Ce sera pas long. Et après, on se réchauffera? Ouais, beaucoup même. Ok. Ok, allons-y. Psychose. Ok, je vais prendre un bain. On peut pas dire que l'ambiance soit au rendez-vous, hein.
Et il est loin, cette espèce de gîte. Ce fameux gîte, c'est le nid d'amour. Le plus confortable et le plus romantique que tu verras de toute ta vie. Si jamais on y arrive. Oh, j'ai l'impression que la chance est de notre côté. Joue les bonnes cartes et peut-être que tu seras chanceux. Eh, hey, les stars du porno, vous allez avoir besoin de ça. Stars du porno. Je paierai cher pour voir ça. Charmant. Je suis désolé pour tout à l'heure. T'inquiète, mec. Oh, je suis sûr que vous allez trouver un moyen de vous amuser. Mm-hmm. Ouais, c'est ça, cause toujours. Oh, ouais, j'allais oublier. Il faut allumer le générateur pour voir où vous mettez les pieds. Il fait sombre par ici. D'accord, c'est noté. Je crois que Josh était en train de me draguer. Ok, tu veux l'inviter avec nous? Vraiment? Quoi? Non! Oh, elle serait pas, pas contre apparemment. Hein. En tout cas, j'espère que ce let's play vous plaît. Eh, hey, joli cœur. Une photo? D'accord, pourquoi pas. Ok. Oh, wow. C'est parfait. On est le couple le plus mignon. Ouais. Tu devrais faire mannequin. Garde cet appareil à proximité et je te laisserai peut-être commencer mon portfolio. Au gîte. Ah, compris. Je suis pas sûr qu'il y avait ça. Il fait trop froid ici. Moi maintenant, je peux t'aider pour ça. Et comment tu vas régler ça? J'ai quelques idées en tête. Propriété privée, demeure des Washington. Alors du coup, on n'a pas allumé le... Et si elle croit qu'elle peut s'immiscer entre nous, c'est qu'Emily est aussi bête qu'elle en a l'air. Avec un peu de chance, elle essaiera de nous suivre et se fera bouffer par un ours. Ah ouais, elle est compliquée. Mais vas-y doucement avec elle. Elle a du mal à se remettre de la rupture. Allô, c'est pas mon problème, Mike, et c'est plus le tien non plus. Oh, ouais. Est-ce que c'est de ma faute si elle comprend pas quand je lui dis « dégage, tasse » Ouais. Elle devrait ouvrir un dico, cette connasse. Ouais, pas vraiment dit ça, mais bon. Parce que là, du coup, c'est fermé. Ouais, forcément. Le générateur n'étant pas allumé. Mike, le générateur. Ok, c'est bon. Parfait. Voyons voir ça. Bim. Bien joué, Mikey. Wouh, t'es un vrai magicien. Bonjour monsieur, merci d'être là, ça fait plaisir, vous êtes bienvenu. Alors si vous me voyez regarder par là, c'est que je regarde si l'enregistrement se passe bien. C'est pour ça. Shazam, que la porte s'ouvre. Plutôt bien, hein? Ouais, vraiment. C'est génial. Oh ouais, je suis le DJ. Du coup, j'ai hâte de voir quelle autre scène. T'en as pas l'air. Je suis trop excité là. C'est comme une son nouvelle. Aventure, une sexcapade. Ouais.
En tout cas, j'espère que ça rend bien. Et là, du coup, vous avez l'épisode en... meilleure qualité, normalement. Ils auraient pu l'enlever. En fait, personne n'a jamais clos l'enquête. Ok. J'ai la trouille maintenant. Bah, qu'elles soient maintenant, je suis sûr qu'elles sont heureuses. Qu'en pense à elles? C'est une belle façon de voir les choses. Oh, c'est quand même un peu votre faute, hein. Moi, je dis ça... je dis rien, quoi. C'est un peu ça, le problème, quoi. T'as entendu ? J'ai... entendu un truc. Ouais. Ouais, c'était pas normal, ça, hein. On n'arrivera pas à la cabane si le chemin est bloqué comme ça. Ah non, même pas en rêve. Il n'y a pas moyen que je reparte au chalet du musée des horreurs pour boire du chocolat chaud avec Émilie. Tu sais quoi ? Merde ! On est des aventuriers ! Ah ! Ah ! Yes ! Putain ! Hé, hey, Jessica ! Ouais ? Ça va ! Bordel, tu m'as foutu une de citrouille ! Tu crois que j'ai pas eu peur, moi ? Et tu t'es pas blessée, au moins ? À ce que je vois, j'ai toujours mes 7 membres sur moi. Ouais. Tu peux sortir ? Je peux pas te dire. Je sais pas. Je vois rien du tout ici. Ok, je viens te chercher. Ne bouge pas. Hey, attends, parce que c'est... Tu m'aides à déplacer ce chariot ? Ok. Aide-moi à le bouger, aide-moi à le bouger. Ok. Ça, c'était pas comme ça dans le premier. Alors, je dois dire qu'il y avait un effort de fait quand même, hein. Je pensais pas vraiment à ça. Il me semble, hein. Je sais plus, ça fait tellement longtemps. Peut-être bien dans en fait. Dans le mauvais sens du terme. Si tu veux, je peux essayer de te réconforter. Garde ça pour la cabane, mon gars. Ça doit remonter aux Indiens, non? Je ne pense pas que les mineurs aimaient faire de la déco, non. Non, 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 c'est une sorte de sanctuaire ou un truc du genre. Un sanctuaire de quoi? Bah, le cigare est pas très vieux. Tu vas bien? Ah oui, c'est pas passé loin. Je pense pas que cet endroit soit énorme. Ouais, ok. Je pense qu'il est temps de partir. C'est sûr que ça sent pas bon. La vache. Cet endroit est une vieille urine à retaper. Je suis d'accord. D'espoir.
Bon bah au final on s'y retrouve, c'est moi juste qui avait simplement peut-être pas de souvenir. J'étais persuadé que c'était différent. Mais il faut certainement croire que non. Quand Josh a dit cabane, j'ai pensé Robinson Crusoe. Attends de voir la chambre de Robinson. Oh, tu as envie d'exploiter mon côté sauvage? Quoi, tu veux grimper sur mon palmier? Ok, garde-en pour plus tard, mon grand. Oh, un télescope! Je vais regarder les arbres, regarder les nuages, regarder la cape. Wow. Ça va? J'ai vu quelqu'un dans la cabane. Ok. Voyons ça. T'as bu trop de lait de poule ou quoi? Y'a que nous par ici. Ouais, t'as raison. Cabine. Ça sent pas bon. Thème à droite. Attention à toi, cervelle d'oiseau. C'était drôle. Oh, pauvre Mikey. Le petit oiseau a effrayé le grand gaillard. Ah, c'est dégueu. Ils sont pleins de maladies et tout, hein. C'était dégueu, ouais. Aïe. Catastrophe. Bon, je sais pas si on va réussir à sauver tout le monde. Je l'espère, mais il me semble que dans la première partie que j'avais fait à l'époque, j'avais dû réussir à sauver certaines personnes. Je crois que j'avais même fait une run où j'avais sauvé tout le monde, mais pas certain. C'est jamais vraiment évident. Bon sang, Josh. T'aurais au moins pu dégager le chemin pour nous envoyer jusqu'ici. Vraiment? Quoi? Je pensais pas que t'étais genre vert à moitié vide. T'as une meilleure idée? Recule, sale pessimiste. Ah, bouh, frimeuse. Hé, hey, Mike. Je crois que t'as quelque chose sur la figure. Si c'est ça que tu veux. Jess? Jess! Damien! Quoi? Tu veux bien m'aider à allumer le feu, s'il te plaît? En fait, j'entrais justement dans mon bain. Oh! Bah, surtout, n'hésite pas si t'as besoin d'aide. Très drôle.
C'est pas vrai. D'accord, Josh, voyons si tu sais comment ouvrir l'eau chaude dans ton magnifique chalet. Ça aussi c'est différent. J'en sais rien, je vais arrêter de dire ça parce qu'en fait, à chaque fois je crois que c'est différent, mais. Pas trop beaucoup ça. Encore un totem. Merde. Conseil. Carte de tatoueur, ces tatouages qu'elle avait sur le bras. Ça, j'ai pas retourné ça. Ça, on l'a vu tout à l'heure. Les affaires d'Anna. Pas ouf. Bon, ça me dit pas. Est-ce qu'il faut que j'aille. Elle, j'aimais bien elle dans le jeu de base. J'espère que. On fera en sorte qu'il ne lui arrive à rien. Ça serait triste. Que je suis à peu près sûr que dans cette bigogue de folie, on avait un plateau de spiritisme. Un quoi ? Waouh, t'as un plateau de spiritisme. C'est des conneries, mec. Ça marche jamais. Si, mec, on le faisait tout le temps. Enfin, moi. Hey Josh, on n'a pas d'eau chaude. C'est genre une méga priorité, non ? Ouais, je vais allumer la chaudière. Elle est au sous-sol. Bon, alors vous, essayez de trouver le plateau de spiritisme. Chris ? Ouais, allons-y. Ce sera un peu comme une chasse au trésor. Ouais. Si tu veux. Bien, tu le regretteras pas. Alors, ça te dit une balade ? Allons-y. Je suis pas convaincu de la balade, mais...
pourquoi pas, hein. Pourquoi pas, hein, c'est toujours intéressant. Hey, t'as remarqué comment j'ai envoyé Chris et H en mission tous les deux? Je crois qu'un peu de temps seul leur ferait du bien. Oh, ils sont vraiment mignons tous les deux. J'espère juste qu'ils vont continuer sur leur lancée. Je crois qu'ils ont seulement besoin d'un coup de pouce qui les rapproche, tu vois. Une sorte d'expérience choquante qui les jette dans les bras l'un de l'autre. À ce stade, ils finiront en maison de retraite avant que Chris ne bouge. Sam. Oui, Josh. Je voulais seulement me dire que... Quoi? Ça compte vraiment beaucoup pour moi de revenir ici cette année, et puis que... toi, tu sois là, Sam. Josh, on est là pour toi. Vraiment, peu importe comment et quand, on va tous surmonter ça ensemble. Je veux qu'on passe un bon moment, tu vois. Hey, regarde, entre nous... Je pense que je vais pouvoir gérer un bon vieil escalier. C'est sombre ici. N'est-ce pas? Désolé de te ramener à la dure réalité. Bon, donne-moi juste un peu d'eau chaude et je serai aux anges. Écoute, j'aimerais pas trop que tu viennes ici toute seule. Tu sais. Ouais, c'est vrai que ça craint par ici. Ouais. C'est pas un endroit où il faut rester toute seule. Tiens, tu peux tenir ça ? Tu parles? Éclaire par ici que je puisse voir ce que je fais. Il faut augmenter la pression de l'eau avant de pouvoir allumer la chaudière. Ça m'a l'air compliqué. Non, en fait, c'est hyper simple. Ah, et merde. T'inquiète pas, c'est... Essaie encore. C'est pas si dur. Appuie sur le bouton quand la lumière arrive. Ok. Ah, ok. J'avais pas capté. Ok. Bien joué. Mince. J'étais pas prêt. Désolé, mon petit. C'était quoi, ça? Ça pourrait être plein de choses et... pas très sympathique. Ah, arrête. Je fais mon Josh, c'est tout. Waouh, t'as vraiment flippé. Oh, putain. Bouge pas. Il y a un truc.
c'est ça. Josh, sérieusement, il y a un truc derrière toi. Je t'ai eu. D'accord, 15-0. Prends ce trésor. Quoi? Non, attends, où est-ce que tu l'as eu ton premier point? Ça commence pas à 30? Mais non, à 15. Ah, ouais, moi je suis plus branchée ping-pong. Mais attends, t'as entendu comme moi là? Josh. Quoi? Le rythme est étrangement régulier. C'est... Non, c'est pas du tout régulier. Peut-être qu'on devrait jeter un œil. Pourquoi? Je sais pas, et si c'était un tuyau sur le point d'exploser ou un problème de chaudière? Non, je crois pas. Personnellement, je ne voudrais pas voir exploser ce chalet. Ouais, d'accord. Ok. Logique. Bien joué, celle-là était bien. Mais pourquoi tu... t'as fait ça? Quoi? On a une vraie ambiance de film d'horreur. Allez, j'étais obligé de profiter de la situation. Non mais, tu déconnes là. Et toi, t'étais au courant de tout ça? Non, mais j'aurais aimé. C'était trop fort. Je veux bien admettre que ta plaisanterie débile avait peut-être une certaine dose d'humour. Je suis le maître de la blague. Non, j'ai rien dit sur tes blagues. J'ai juste dit que ta plaisanterie était débile. Ah, putain, t'étais terrorisé. Allez, admets-le. Alors là, pas du tout. Mytho, tu t'es complètement pissé Josh. Dessus. Ouais, c'est vrai que... Mais bordel, qu'est-ce que tu portes? J'ai trouvé ma vocation. Pitié, dis-moi que tu vas faire vœu de silence. D'accord. Et t'as trouvé le bidule? Voici notre billet vers le monde des esprits. Tu sais quoi? Non, j'ai eu assez les chocottes pour cette nuit, c'est clair? Dans ma boule de cristal, je vois un bain chaud. Ok? Alors amusez-vous bien. Oh, mais méfiez-vous de Josh. C'est un vrai fourbe. Ok. Parle, Matt. Matt. Moi, j'ai mon sac. Ouais, t'arrives. Alors, ça va être tendu entre ces deux-là ou pas? Et on est à 43. Nous y sommes, madame. Oh, merci, monsieur. Un truc ici. Hé, hey, Amy? Ouais. Je crois qu'on devrait commencer à profiter du week-end maintenant. Allez, on efface tout. Oh? Pas de dispute, ni de Mike ou de Jess, juste toi et moi qui profitons ensemble de la nature. Oh, genre au naturel? Exactement. Ça me plaît bien. Y a-t-il quelque chose ici? Attends, c'est quoi ça?
Il y avait un truc bizarre, j'ai l'impression. Parce qu'ils ont allumé le courant. Hé, hey, petite tête, viens par là. T'essayes de nous trouver un coin plus intime, Bah, viens voir par toi-même. Ok. Bizarre. Ouais. Merci de m'aider pour mon sac. Je sais que je suis pas toujours facile à vivre. No problemo, bébé. Et rappelle-toi bien que je suis plus qu'un porteur de bagages extrêmement sexy, musclé et viril. Tu comptes me le prouver ? Toute la journée. Oh, quoi ? Toute la journée. Attends, ça veut dire quoi? Bah, toute la journée. Quoi? J'essayais juste d'être sexy. Chacun son chemin, comme on dirait. C'est tellement cool d'être avec toi, Monsieur Muscle. Ah, j'ai pas que des muscles. J'ai aussi un cerveau, tu sais. En tout cas, assez pour être avec moi. Voyons un peu ces muscles. T'as déjà fait ça à l'extérieur ? À l'extérieur de quoi ? Ma caisse. J'aime bien ta caisse. Spacieuse. C'est pas assez spacieux ici ? Tu sais quoi ? Peut-être qu'on peut trouver un meilleur coin. Quand tu dis coin, tu veux parler du coin G ? Il y a plein d'autres endroits ici. J'ai déjà commencé à préparer le terrain. Comme un gentleman. Allez, viens, on va chercher. Y'a quoi de si important dans le sac ? Oh, c'est juste mes culottes. Celle en dentelle. Bon, pas besoin. Tu veux pas que je les essaie devant toi ? De toute façon, je vais les arracher. Peut-être que moi, je veux les porter. Ça me rend d'humeur coquine. Allons les chercher. Un grand totem. La bouche de ce truc, pas capable de mettre ta main dedans. Vaudrait mieux la mettre juste ici. Emily, Emily, je t'ai eu, grosse tâche. Putain, t'es ridicule. Oh, ça va. C'était quoi? Je sais pas. Sûrement une bête ou... J'aime pas ça. Pas trop beaucoup ça. Bon, logique, hein. Moi, c'est pas sûr que j'irai en forêt. Alors qu'il fait méga sombre comme ça. Bizarre l'ambiance, hein. Nous y sommes, madame. Merci. Eh ben, très
très impressionnant. Bizarre l'ambiance. Ça? C'est un avertissement? Il n'était pas là avant. C'est un mot? Wow. Welcome back. Bon retour. Ça doit être Chris ou Josh. Ils essayent toujours de nous faire peur. C'est pas très cool, les gars. J'aime pas ça du tout. Moi non plus. Oh! Qui a pu faire ça? Tu sais, j'en ai plus grand chose à foutre de mes culottes là tout de suite. J'ai plutôt envie qu'on se casse. Ça me va. Bonjour. J'aimerais savoir ce que vous pensez des gens qui ont peur de l'isolement, de la solitude. Vous aussi, ça vous effraie ? Donc, que pensez-vous des gens qui ont peur de ces choses ? Mike a peur de la solitude. Avez-vous pitié de lui? Ah, Jack, oui. Mais votre façon de jouer semble indiquer tout le contraire. Je me trompe? Ah bon? Pourquoi il dit ça? Et maintenant, analysons plus précisément ce que vous ressentez envers les gens. Ce que vous appréciez et respectez chez vous et chez les autres. Quelle est la qualité la plus importante à vos yeux? La loyauté ou la franchise? L'un va avec l'autre. J'irai la franchise. Donc, vous dites toujours la vérité, même si cela a des conséquences néfastes pour un ami. Alors, qu'en est-il de la franchise et de la charité? La charité, c'est surfait d'après vous? Mieux vaut rester fidèle à soi-même plutôt qu'aider les gens dans le besoin, c'est ça? Ah, mais une fois encore, la session touche à sa fin. Nous en reparlerons bientôt. Je vais pas me faire engueuler, hein. C'était pas ça le deal. Mais... Chapitre 3, isolement. 8 heures jusqu'à l'aube. Alors, ça dit ici... Pour communiquer avec le monde des esprits, vous devez vous libérer de tout préjugé, de toute inhibition, et vous offrir entièrement à la volonté des autres, sublimant chacun de vos désirs aux lubies de l'esprit maître, c'est-à-dire moi. Ça dit pas ça, non? Et toute personne présente retirera ses vêtements à ma seule discrétion. Chris, allez, c'est sérieux, là. Je suis sérieux à mort. Ah, tais-toi. Bon, allez, essayons. Oui, je te remercie. Ok. Eh bien, je pense qu'on va garder ça pour la prochaine fois. Bon, ça fait à peu près un chapitre par vidéo, c'est pas trop mal. J'espère que ça vous aura plu, ce petit épisode. Là, on sent quand même que la tension commence à monter petit à petit. J'espère que ça vous aura plu. Je vous dis à très vite pour la suite de ce Let's Play. Et prenez soin de vous. Ciao, ciao.